fait du bien de le dire. Alors Benna, je vais vous poser une question ce matin, une question fondamentale. Oui Anne, oui, et c'est normal hein, cette période sombre de confinement, de doute, d'angoisse planétaire, de se poser des questions. Mais là, j'en ai une qui vous concerne toute particulièrement, Anne, en toute amitié. Qu'est-ce qu'on fout là hein? Avec tout le respect que j'ai pour vous bien sûr. Hein, c'est quoi votre projet en fait? Vous voulez vous séparer de certains chroniqueurs hein? Vous n'avez pas le courage de trancher, alors vous dites que le coronavirus va faire le travail à votre place? Vous vous dites qu'au bout de quelques jours, il y en a bien quelques-uns qui vont tousser dans l'équipe, dans le lot? Il y en aura bien qui ne va pas s'en tirer. Avec même un petit peu de chance, ce sera Stan. Hein, pardon, hein, mais la loi dernier arrivé, hein, même pas eu le temps d'apprendre à le connaître, petit ange parti trop tôt. Mais non, c'est pas possible, je vous connais, Anne, je peux pas croire que vous ayez de pareils desseins à notre égard. Du coup, je me suis dit qu'il y avait qu'une seule réponse possible. C'est qu'autour de vous, en continuant notre mission chaque jour, coûte que coûte, face à l'adversité, nous sommes finalement un peu comme l'orchestre qui joue jusqu'au bout sur le pont du Titanic qui coule. Notre capitaine a négligé la taille de l'iceberg qui a pourtant glacé le monde entier. Et si je devais filer la métaphore, je dirais que notre personnel médical, soignant, médecin, infirmier, chercheur, aide-soignant, serait alors comme le personnel de bord qui boit chaque jour un peu plus la tasse pour nous aider à tenir la tête hors de l'eau. Nous ne voyons pas encore les côtes, la rive de l'espoir semble encore loin, mais nous jouerons à vos côtés, Anne, jusqu'à la dernière note. Bon, quoique, bien que je trouve tout ça très noble, hein, c'est même très beau, hein, ce dévouement pour nos auditeurs dont vous faites preuve tous les jours et votre public, bah, j'ai un peu le mal de mer. Alors si possible, je vais quand même essayer de monter dans le prochain canot de sauvetage, mais bonne chance à tous les amis.